Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir choisis. Bonjour et bienvenue. Nous allons encore passer de bons moments, j'espère. Je suis ravi pour la réaction de l'émission d'hier qui beaucoup de gens ont commencé à commenter, à dire est-ce que j'étais sûr de ce que je parlais. Oui, monsieur, je suis sûr que la population à l'est de la République démocratique du Congo, les choses commencent à bouger de ce côté-là. La population est en train de prendre les choses en main, petit à petit. Et ce n'est pas que la population le veut, mais c'est que le pouvoir actuel, le FARDC, est l'ennemi. Et cette hargne de fer de cet ennemi est en train de grandir jour après jour. Nous allons encore voir les marches de toutes ces histoires ici. Maintenant, ce que nous attendons, c'est la réaction de ce premier ministre qui a défilé de ce côté-là, qui a pris les choses, qui a appris. Nous osons croire qu'il a finalement causé avec, ou bien parlé avec, ceux qui sont en train d'être meurtris. Donc, les gens qui subissent les réelles conséquences de cette guerre ignoble qu'on nous impose. Dans le FARDC, il y a des bons militaires, il y a des gens que nous pouvons supporter, mais il y a aussi des traîtres là-dedans, beaucoup même. Et ces traîtres-là sont à la hauteur, ce sont eux qui sont aux commandes même de ces histoires-là. Donc ça, c'était qu'une parenthèse de l'émission d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler un peu de la gestion de notre pays. Hier, le Parlement devrait examiner sur l'histoire de la CENI et tout ça. Mais il y a des scandales qui se passent. Regardez comment est-ce qu'il y a, il y a des scandales qui arrivent dans le gouvernement et il y a ce silence radio. Nous allons en parler, mais la grande question que nous allons réagir aujourd'hui, c'est sur l'identification et le recensement de notre population. Bandeko, ça c'est très important. Il n'y a pas d'autre chose qui peut nous propulser dans le développement si nous ne sommes pas identifiés et s'il n'y a pas de recensement. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous reviendrons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Le RDC, le chiffre d'affaires de la GECAMINE a connu une hausse de près de 78,1 millions de dollars au courant de l'année 2020. Ça, c'est un rapport que vous pouvez lire là-bas. Et puis, Ituri, la peste bubonique refait surface. On va sur actualité.cd. L'Assemblée nationale auditionnait la ministre des Mines à 3 jours pour répondre aux préoccupations liées notamment à la redevance minière et à la gestion de fonds miniers pour la génération future. Congo central, IGF saisit la justice pour un présumé détournement de plus de 8 millions de dollars par le gouverneur Atou Matouana. On va sur Congo profond. Toujours Congo profond, culture, Werrason sollicite l'appui de la ministre Catherine Katungu-Fura pour son zénith de Paris, prévu le 17 septembre. Mongala, le gouverneur Aïe-Marie Clémentine Sol poursuit le VPM Daniel Arsault devant le Conseil d'État. 7 sur 7,
Agriculture, lancement de l'atelier de plaidoyer sur le plan des ripostes contre les pandémies virales et autres maladies. Puis Molendo Sakumbi, cadre des affaires foncières du Congo central. Aucune pratique centrale contraire à l'éthique professionnelle ne sera tolérée. On termine par Radio Okapi. Radio Okapi, nous avons deux titres ici. Pollution de la rivière Kasaï, la situation s'améliore progressivement. Et puis aussi Kivu, les mal des items des examens d'état déjà disponibles à Bukavu. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Bandeko to bandela na noabi parce que toza rappelez-vous que na MCBino que toza na basije misato awalelo tokolobela ngo même pendant 5 minutes ya liboso ezana na kotala réaction ya gouvernement ya chef à gouvernement et c'est là qu'on comprend que nous n'avons pas un gouvernement responsable babiloko non seza kobima eza kolakisa weakness, comme on dit, les défaillances du système fatigue aujourd'hui. Bandeko, tribalisme, ça kokota, mais le chef, c'est comme si, j'en avais parlé, c'est comme s'il subit, azo subir, bamakambu, oyo, tribunaye, ça ko imposé. Et les gens lelo qui supportent cette histoire-là en disant que non, nous allons supporter le Félix, tout ça. Nous allons supporter le système Tshisekedi. Lui-même, pendant ce temps-là, lui-même, il n'est pas sûr de cette armée. Lui-même devient encore une fois de plus, lorsqu'il est devant le peuple, il devient plaint, il se plaint. Et cela traduit effectivement la défaillance à Yanani, à Yan régime Oyo. Est-ce que le président est en mesure de gérer sa tribu? Est-ce que le président de la République est en mesure de gérer Oyobatunio, surtout Bazako poussé, Valobite, tant on a yango, tant on a biso yango, tant conserver ka pouvoir, tant qu'un de kakanengwana, nous devons conserver le pouvoir. Bandeko, tozako poussé, Tshisekedi na erreur. Batouana de Bazaba ennemi à peuple congolais. Bandeko, la chose la plus simple que nous devions faire, c'est de commencer à bâtir notre pays. Toko bâtir mboka o nengenini. Soki batu mutu na mutuazo sala musalate. Nous sommes en train de conseiller au président de la République de créer des agences, pendant que nous avons des ministères, toza na ba département nyoso. Faisons fonctionner l'État congolais. Pourquoi il y a 1000 conseillers na katia présidence de la République? Est-ce que présidence de la République n'est comme mboka mobimba? Et c'est là l'erreur que nous sommes en train de commettre. Erreur yango wana bandeko. Ba sikoyo tozokanisa que tribu ya mokonzi nde muto eza kolinga biso sikoyo. Donc c'est une revanche. C'est comme si bozolinga sikoyo mo répéter ba makambo ya kala. Nous, à qui est-ce que nous allons Tokope sa faute wana. Est-ce que c'est pas mon conseil ou bien c'est pas bato bazana nzinga nzinga nae? Bato bazana kati nzinga nzinga nae za banani. N'est-ce pas que ce sont les gens de sa tribu? Bato bazako conseiller pour nanini asala boye akende boye nomme mutu boye ta sala boye. Ce n'est pas comme ça que nous allons pousser notre pays. Mboka na biso photo bongisa yango na bandeli. Il faut tout bongisa mboka na biso dès le départ. Nous devons commencer à bâtir notre pays. Na kobâtir mboka na biso eza na bokonzité na eza na présidence té. Kobâtir mboka na biso eza kotia ba loi au niveau ya ba territoire. Ça c'est mon point de vue au niveau des territoires. Qu'est-ce que le gouvernement actuel azo sala pour na ba territoire? J'ai entendu parler à un certain moment comment qu'on réveille conscience que non. Il y aura un programme sur le territoire. Bandeko. Si aujourd'hui nous ne prenons pas en compte les territoires, que la base puisse se voir que nos responsabilités, ezaka kana présidence était. Responsabilité, ezana katia batu na batu. Quand vous prenez tout le pouvoir, vous l'emmagasinez à la présidence de la République, il y a un écroulement en boka na biso donc tozako kweya. Parce que bah, nous sommes tous qu'on va croiser ma boko. Dans les territoires, on ne travaille plus. On commence qu'on coopère si qu'on a battu Libanda pour pas y accoser les labis au Musala. Aux autres qui ne coulent qu'à Égyptien pendant que nous avons le même
possibilité ya kotonga mboka na biso biso moko pona nini poske olingi kaka ozalaka na pouvoir na ona maboko. Bon, maintenant nous posons la question, est-ce que eza ye moko ou bien est-ce que eza tribu na ye o aza ko placer bato bato bazanzinga nzinga na ye. Mais nous pensons que wame nyoso elingai kozala na volonté à mon conseiller, mon colobaté. Président, c'est ok, aux ala, na 300 personnes, t. Président, c'est ok, aux ala, na 200 personnes, t. Comme ça, bah, tu n'as pas responsabilité. Moutouna, moutouna, kobanda, koyeba, ni na kosala. Conséquence, à Babilo, quoi, aux ala, na ba conseiller, belé, à kosala, ba agence tout autour de toi. Ezako zongis, disons ezako benda musala, oyo population ngake sala, otiango pembeni na yo. Siko yo population ekotika la, ezotale la yo. Il est grand temps, c'est que le président de la République a changé mentalité wana. Mentalité, il faut koyeba, toko sala nengenini, je vais en parler, je crois, dans l'émission de demain, où nous apportons des solutions, mais peut-être à la fin de la semaine, qu'est-ce que nous devons faire? Tournir ni nango foto sala. Bama Kamwana va conseiller 500 000 conseillers ici là. Nous allons en parler. Bandeko. Deuxième sujet, la bison n'a pas de l'eau et la qui. L'obin a bandé à la télévision, télé 50. Je vois un professeur qui vient, il dit que non, il faut pas confier Bango, donc, agent Soki, OIM, Soki Nini. Donc recensement administratif pour na ko préparer ba élection bande ko mboka na biso ba élection et ko faire avancer mboka na biso te ba élection ko faire avancer biso te. J'ai entendu ce monsieur parler que non eza na ba place mususu ba Kinshasa eza suki na 20% ba congolais, donc eza na 12 millions suki d'habitants. Je me suis dit, est-ce que il a compté les gens? Oh non, on doit faire ce qui recensement administratif, des termes compliqués que moi-même je n'arrivais pas à comprendre. C'est ça qui a tué justement le pays. Oh, cartographie, en beau cannabis, il faut à la refaire. Mais Bandeko, je me suis posé la question, d'où nous tirons ces histoires-là? Pourquoi nous avons 145 territoires? Est-ce que 145 territoires, on les a cartographiés? Allons-nous encore refaire les choses qui ont été déjà faites? Nous sommes en train de remettre le simple, les choses qui sont simples, on les remet, on commence à imaginer d'autres choses. Pandeko, recensement, ça ne peut pas nous prendre une année. Mais nous, ça va nous prendre une année comment? Quand nous voulons faire tout nous-mêmes. Ce qui est bien, c'est que nous remettre à la présidence de la République. Je vais vous dire une chose. Regardez par exemple. Bolobi que non, l'ikambaba passeport. Hein? Bolobi l'ikambaba passeport, il faut que batumoko ba utaka na ministère affaires étrangères awa na Kinshasa bakende ko sala ka capture na Butembo. Bakende ko sala capture boy. Est-ce qu'à Butembo il n'y a pas des gens là-bas? Na Butembo batu bazate ba ko sala capture wana te. Oh non, au moins, il faut battre. Non, il faut faire fonctionner le pays. Pour faire fonctionner le pays, il faut que les territoires fonctionnent. Il y a moyen de bander Koloba dans le biais. Ce qui est au sali, l'état généraux à territoire, c'est pour leur donner le pouvoir. Il y a Koloba, awa, toza la machine, awa, et ça, ça, le recensement à battre, na identification à battre. C'est les 145 territoires. Dans les 145 territoires, nous pouvons maintenant dire que non, un territoire n'a pas été capturé, par exemple, un groupement tel. Pour que Batoumba se déplace à Kamingi Mingite, ça peut se faire au lieu que Moutoumoko a outakana Kinshasa, a kende na Kasumbale, sa kende sa la capture, y a un passeport. Ou bien kende on a Tanganyika, non, faisons fonctionner le pays tout entier en même temps. Ça ne va pas nous prendre du temps. Et là, quand on a la biso, c'est pour faire arriver le matériel dans la concession. Ça peut nous prendre un mois ou deux mois. Mais le matériel est déjà
assis sur les 145 territoires, batuna batubaza na ba matériel à capture, batuna batubazo sala musala na ba matériel wana, et ça relié déjà na database. Est-ce que ça peut nous prendre quelque chose à Koloba? Oh, à des recensements administratifs, recensements scientifiques. Mes chers amis, l'identification est simple. Exactement, quand on voit que c'est compliqué ou quoi que ce soit, nous l'avons vu ici. Tout le monde a quand on voit Abisso Batosa à l'étranger. Et là, comment on voit que ce qui système n'a pas fonctionné mal sur les 145 territoires, il y a un problème dans moins de 6 mois, il y a un problème qui est combien nous sommes. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. L'identification de Zoro, oh non, les réfugiés, Bazakuna, ce n'est pas question de ça. Dans les territoires, on va identifier, est-ce que vos bandits pensent que étrangers, Koyeba, que non, Aya Kose, qu'on s'identifie, place, Faibi, que non, Awa, nous avons mis les systèmes, que non, dans le territoire, Nabiso, comité Nabiso, Oya Koyeba, Aya Koyeba, identifier, Batweza, Awa. Ce n'est pas que quelqu'un qui quittera Kinshasa qui va identifier les gens je ne sais pas, à Aru ou quoi que ce soit. Ce sont les gens de là-bas qui doivent s'identifier. Batouana Bazali, on prend les gens pour qui finalement dans Mboka ou Bandeko? Identification communauté, il faut kaka Batoumoko Boye, il faut kaka scientifiquement. Non, mes chers amis. Biloko anande a wanaza kozongi sabiso sima. Ça, ce sont les ennemis du Congo. Tout doit être fait par la présidence de la République. Tant que le président ne se prendra pas en charge, pourquoi les gens demandent encore un changement? C'est parce que la population va dire que non, changement est en train de se la population est en train de voir que non. Le monsieur ici ne veut pas de changer. Azako perpétuer le système à Kala. Est-ce que c'est par lui-même? Est-ce que c'est par son tribu qui veut en profiter dans le système Moïbi et Koti? Et là, comment on a sud Kivu que nous encourageons. Le gouverneur prend quand même le mesure à Kolobatoire et Tena Nubabalabatoana, Total Abamakamwana, Ndengwana, Baba Chinoana. Entreprise chinoise, ça ce sont quelque chose à encourager, mais ça ne peut pas se limiter là-bas. Ce n'est pas lui maintenant qui doit faire quoi que ce soit là-bas. Il faudrait que Batukuna, Nakatia Bat territoire Kuna, Bayeba, Nanya Zosala, Nini Nakatia territoire Nabiso. Naoya Zosala, et loko nini ko revenir na territoire Nabiso, et loko nini ango toko pesa na région ou bien na province, et loko nini ango ko appartenir na pays. C'est ça l'organisation que nous avons besoin dans ce pays. Batuna batuba yeba et loko nini ango ba Zosala. Banani ango ba salaka awa. Banani ango ba salaka nini. Tant que nous ne connaissons pas ces histoires-là, et ko zala pasi. Et nani ango fa impulse mouvement, c'est le président de la République. C'est pour cela que nous disons que la population aujourd'hui est en train de se dire que non, le président de la République a zan ananité, a zan ancrage, a zan kolinga a triché. Nous voudrions que tu triches, mais il faudrait que toi implémentes construction en bon cannabis et bandata pour banda. Nous avons déjà perdu assez beaucoup de temps, mais nous avons encore beaucoup de temps devant nous pour na kosala makambu na ndenge à bien. Nous devons faire les choses très bien pour que les gens que lorsque nous quitterons ce pays ou bien nanabo konzi oyo
Batoua se souvenir na biso ke no batou e basala ki mwa eloko moko o eza kom remettre mboka na biso na kati ya rai. Alors, pour terminer, je vais dire un petit mot sur les scandales qui sont en train de se remarquer na kati ya gouvernement ba wario. Bandeko, vous voyez comment les choses sont et ça ba conséquence ya ba combine otozo sala pona ko sala gouvernement oyo. Les gens vont commencer à faire des scandales. Au lieu que va démissionner parce que culture on est à la caté. Ba yika ka ke tourna bango yango, c'est ça. Les a clic na biso to ko se protéger entre biso. Comment se fait-il que mutu ayi bambongo et puis le premier ministre bon vanda na pe kaka na na mesa boy bozota la na keno bozo sala. Vous ne traitez même pas ces cas-là. Pourquoi? Parce que dans le départ, il n'y a pas eu de garde-fous. Batouba négocia qui? C'est ça qui explique que les scandales vont continuer à se répéter. Oh, moi, il y a un bon boy. Oh, ma salle, oh, justice, ça, la moussala na bango. Oh, IGF, ça, la moussala na bango. Même si l'IGF dénonçait, vous avez vu comment est-ce que Nanya Kabi, Nanya Kamere, Mbongo et Zonga, Batouba, Nyoso, Bakangama, Mbongo et Zalaka justifié. Est-ce que l'État a retrouvé que non? Batoua bakanga ki to récupéra ki mbongo ota. Mbongo wana ndenge si ekei ekei nango. Et personne, ata bokangi bokoya ko longole, boko bimise na musa nanani na prison après 3 ans, après 2 ans, akozonga la maye ba fonctionne akozala na bien asia bomba ki mbongo na. Qui perd c'est l'État, c'est le peuple congolais qui perd. Donc le scandale ya babiloko o ngai na za ko eza ko situla ngai te. Donc, nous sommes dans un temps de transition. Il faut que ce qui est en train de se faire, revenons au basique. Ne compliquons pas les équations. Équation en boca, c'est que tout va se sentir que non. Nous sommes en train tous de gérer ce pays. Ce n'est pas la présidence qui va commencer à tout faire. Mboka o il faut qu'on réorganise ango pour que base se sentir que non et ça impliqué na développement ya mboka o. C'est ainsi que nous appelons les états des lieux des territoires. Basangisa batu na kati ya ba territoire qu'on puisse réfléchir sur une nouvelle république, république asika. O place o mutu ye moko ba peuple o ba zana kati ya ba ya banani ya ba territoire kuna ba réfléchir na ndenge nini ba koken ba ko implémenter na recensement, na identification à population, bandeko, parce que on ne peut rien faire ce qui t'a identifié par congolété. On ne pourra rien faire parce que biloko nyoso, même le développement sera assis sur l'identification des congolais. Pour ce qui t'a résoudre le problème on a la base, ba biloko nyoso to ekoya na moyibi ekosila parce que nous implémenterons banani ba structure oyo ya ko combattre corruption. Comment est-ce que les histoires communes donc ba cette commune oyo ya région ya territoire exagéré ndenge nini to combattre la ba problème ba matière première na biso. Comment nous allons gérer au niveau même de ya base nani angozo sala nini lorsque nous arriverons à contrôler ça au niveau de la base. Tokoya ko contrôler ngo na ndenge ya likolo. Nzela mususu eza te. Ate lelo tolobi ono, tosali boye, toko bongisa banzela. Banzela wana, barani ango bakotambola na banzela wana. O toko tonga ville mususu, ville wana toko tonga ngo po na nini. Sa se son ke, eza la kababiloko moko tokenda kana, eyaka na ngo. Soki organizasyon ezali. Soki organizasyon ezali, babiloko akokita, priye kokita. Okoyela batu masangu bazana mbongo akosomba ngote batu basala kate. Comment nous allons créer de l'emploi? Batu na batu il faut ba définir sikoyo awa tozana besoin bo tozana besoin bo tozana besoin bo. Qu'est-ce que nous avons pour faire ça? C'est comme ça que nous disons ba réflexion wana ezala déjà na côté à base pour que les responsabilités doivent être données à la base. Likambo ya ba passeport ekoko distrait biso. Comment est-ce que nous sommes très désorganisés et nous voulons concentrer Iloko. IGF, Ezakaka département Moko, et Utaka Kinshasa, Bakenda a contrôlé Lualaba, Bakenda a contrôlé Moukoloni, Bakenda a contrôlé Mobaimbongo.
Est-ce que il n'y a pas des intellectuels là-bas? On ne peut pas créer une structure pour contrôler. Regardez ce qui se passe dans les assemblées provinciales. Parce qu'on sait que le pouvoir est à Kinshasa. Babylon, il fait tout ce qu'il peut. Parce que le pouvoir n'est pas à la base. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire sur l'organisation Yambo Kanabiso. Mais Tokosuka Awalelo, on va continuer à parler sur ce sujet ici à développement Yambo Kanabiso. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, essayez un peu, pardon, de laisser un petit commentaire. Parce que c'est sur vos commentaires que to aiguiza katoye bakakoriente ba émission na biso. Ba o bazana no abonné te ke balanda kangai, abonnez-vous s'il vous plaît, continuez à partager nos émissions. Merci beaucoup, on va se revoir demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.